Grâce à la Fondation AMU, nous allons pouvoir partir à Boston et participer au concours IGEM, qui est un concours international de biologie de synthèse. Grâce à la Fondation AMU, nous pouvons aider directement à l'interprétation des données de la mission Rosetta. Marseille Université est riche de 130 structures de recherche, de 19 composantes, donc nous représentons pour l'entreprise une formidable source d'innovation, de recherche. Donc nous avons tout à gagner à nous rapprocher. Les entreprises ont besoin de l'innovation que nous portons. Nos étudiants ont besoin de s'insérer dans la vie professionnelle, donc c'est un partenariat qui est un partenariat gagnant-gagnant pour l'un et l'autre partie. Je me suis engagé auprès de la Fondation pour plusieurs raisons. Les jeunes talents de l'université et l'innovation. Aujourd'hui, dans notre société, dans l'industrie, nous avons besoin de la créativité et de l'innovation pour trouver des vraies solutions. Et donc, trouver des vraies solutions va nous aider aussi à attirer des investissements en France et d'être plus compétitifs. Le projet Spine de RM, financé par la Fondation d'Aix-Marseille Université, est un projet qui porte sur la compréhension des traumatismes du rachis et de la moelle épinière chez les accidentés des deux roues motorisées. Ce projet vise à contribuer à améliorer la prise en charge des victimes des deux roues motorisées et également à développer des dispositifs de protection qui soient plus efficaces que ceux qui sont disponibles aujourd'hui. Je donne à la Fondation AMU depuis cette année 3 ans. Et pourquoi ? Pour soutenir disons, un programme de bourse pour les étudiants vietnamiens, pour venir suivre un master en France. Mais moi-même, j'ai été boursier de l'Université de Californie à Los Angeles. Et donc, maintenant que j'ai la possibilité de le faire, j'essaye de soutenir des jeunes qui ont envie de venir étudier en France. La Fondation AMU, Aix-Marseille Université, nous a clairement permis, tout autant à l'équipe universitaire qu'à moi qui représente les forces économiques de l'économie sociale et solidaire, de nous rencontrer, de finaliser la création de ce projet, aujourd'hui de juridiquement et techniquement le porter, et demain d'aller chercher très concrètement les fonds nécessaires à faire fonctionner cette nouvelle organisation. Alors, l'Université d'Aix-Marseille souhaite s'ouvrir sur son territoire, sur son écosystème et donc avoir des relations étroites avec le monde de l'entreprise et le monde socio-économique. La Fondation doit être pour nous un lieu de rencontre. On a besoin de cette collecte de fonds pour développer des projets communs avec le monde de l'entreprise au bénéfice de nos étudiants et de leurs projets, au bénéfice des personnels et de leurs projets, au bénéfice de la recherche et de l'innovation, et puis aussi au bénéfice de la visibilité de notre université qui est aujourd'hui la plus grande université du monde francophone. Les étudiants d'aujourd'hui sont nos talents de demain. Donc investir dans la Fondation, c'est investir pour l'avenir.